Alors, du coup, paf, qu'est-ce qui se passe? Pan, législatif, Boris Johnson, le Brexit, ça y est, pan, et là c'est le drame! Le prince Harry! Le prince Harry part au Canada avec sa voiture. Oh, mais rigolez pas avec ça! Oh. Alors, scandale au Royaume-Uni, l'émancipation royale, on n'avait jamais vu, hein. Tout un pays est tenu en haleine. Alors, au Royaume-Uni, on peut comprendre, hein. Bon, ils sont spéciaux, c'est pour ça qu'ils quittent l'Europe. Mais alors, nous, on a droit à ça dans tous les médias. Alors que, bon, je sais pas, moi, c'est un point de vue personnel. Je m'en bats les couilles. Mais à un point, le maximum étant là, je suis au-dessus. Et on a droit à ça, vous avez vu, dans les médias, partout. Papier, journaux, radio, télé, journal de 20 heures, avant-hier, 5 minutes dessus sur un jour. Et le prince, et toi, t'es là, tu fais... Voilà, alors évidemment, bon, on rigole. Alors on rigole, évidemment, c'est facile, hein, mais en attendant, c'est quand même très, très courageux parce que... très courageux parce que, alors, j'ai pris des notes, mais comme il y a un pâté, j'arrive pas à me relire. Voilà. Ah oui, tout le bien là. Donc, réunion au sommet, hein, voilà, avec la reine d'Angleterre, hein, elle est arrivée. Mais t'es en forme encore, la vieille, hein. Voilà, bon, pas de retraite, régime spécial. Alors, donc, la reine, le prince Charles, le prince William, et aïe. Discussion à tout le pays, là, tout le monde attend. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont le fouetter, le condamner à mort? Bon, finalement, la reine est OK. Elle fait, allez, you want to go, go. Bon, elle était quand même un peu, tu vois, dès qu'il est sorti, elle a fait, fuck off. Ça reste entre nous. Alors donc, les deux vont, la règle d'honneur s'émanciper. Bon, on peut comprendre, mais alors les mauvaises langues, tout de suite, évidemment, parce qu'il y en a, oh, il y en a pas que chez nous, hein, disent, oui, parce qu'il veut toucher des royalties sur les produits dérivés. Là, franchement, elle a raison, la reine, hein, fuck off. Alors, et alors, évidemment, tous les médias, là-bas, on fait, alors, c'est pas une idée à lui, mais à elle. Salope! Bitch. Alors, donc, ils gardent quand même un petit cottage à côté de Londres, hein, d'une quarantaine de chambres. Alors, non mais on rigole tout ça. Mais c'est derrière, finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un drame humain? Déjà, comment vont-ils s'en sortir? Financièrement? Ma vie, le prince Harry, il n'a jamais rien branlé dans la vie, à part lui. Et là, tout d'un coup, on est rassuré. Oh, la nouvelle tombe! Oh, mon Dieu! Oui, alors, il aurait entre 20 et 30 millions d'euros sur son compte. Oh! Et là, tout d'un coup, on respire. De quoi tenir quelques mois. Et là, hop, rescoop, il y a hier, je crois, et il annonce, le prince Harry, alors, à la surprise de tout le monde, au surprise, qui renonce à ses titres royaux. Oula! Voilà, et ben qu'est-ce qui va lui rester? Il va être obligé de vendre des mugs. Avec sa tronche dessus.